Ben Dieudonné, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ben, c'est moi qui remercie vous. C'est quoi tu vois dans la main là, sous le bouclier? Mais ça c'est mon couverture marmite. Couverture marmite, parce que la couverture marmite, la bouchon marmite aussi, vous connaissez? Ouais. Ça dépend selon où habite, dans l'est, ou habite dans le nord ou dans le sud. Hein? Et c'est quoi cette machine là? Alors ça c'est un petit fourneau feu de bois que nous l'avons conçu dans notre petit atelier Saint-André. Le but premier de cette petite invention au pays, hein, c'est d'éviter au maximum l'émanation de fumée. Comme ça, quand nous sortons cuisine un petit carré feu de bois, nous ne sommes pas boucanés comme notre grand-mère à l'époque quand il cuisine de bois. Voilà. D'accord. Mais il voit que c'est un feu de bois, mais moi pas de bois, moi pas de feu lié dedans. Les comment normal, les alors, mais monte à vous. Le feu de bois, les cachettes là-dedans. Ah, d'accord. Donc. Bon. Il est enfermé dans sa chambre de combustion, on va dire. Uh-huh. Et le fait que l'idée est enfermé là-dedans, donc avec moins d'air comme un feu de bois classique, il fait à haut une consommation de bois d'environ 50% en moins qu'un feu de bois. 50% quand même, hein. Mais non seulement l'idée machin, mais l'idée écologique. Écologique, oui. Ce foie-là. Et donc l'arrivée d'air se fait par en bas. Par-dessous. Se fait par en dessous. Et ensuite, l'air froid alimente, l'air frais alimente le feu. Le feu. Hein, et même s'il est fermé comme ça, le feu prend toujours à l'intérieur. Son tirage là-haut par la cheminée. Et l'air chaud passe là. Son cheminement de l'air naturel. D'accord. Ça fait que la combustion est conservée et le bois les plus économisé. D'accord. Éventuellement, hein, et quand ou passe dans des maisons un petit peu en France, on va dire, hein, ouais. Vous voyez qu'à cheminée comme ça, ils sont durs. Il avait dit qu'à l'intérieur, maintenant, on a un truc presque pareil que ça. Il ressemble ça. Mais alors, qu'est-ce que ou te fourrer ici n'a de plus ou de moins la qu'un différence, four traditionnel? C'est un fourneau classique où mettre la marmite sur le fourneau. Oui. Et nous, ce que nous l'a fait un trou pour mettre la marmite dans le fourneau, c'est-à-dire plus près de la flamme. D'accord. Qui donne là-haut vraiment. Les avantages du feu de bois sans les inconvénients. D'accord, voilà. Donc, je veux dire que normalement, là, on a pas trop de fumée qui sort. Là, un petit peu, parce que le bois nous vient de mettre, voilà, un petit peu vert aussi, le bois. Donc, mais si vous mettez un bon bois bien sec et puis après le feu voilà. Fume bien grand, on a point d'émanation de fumée ici. Là, hein. Et on l'a fait pour une marmite 38 cm, mais nous va voir tout à l'heure quand Nounours, qui est avec nous aussi, Nounours va cuisiner aujourd'hui aussi avec nous. Il peut mettre des carailles, il peut mettre tout ce qui remplit cette surface-là. Et après, bien évidemment, comme nous faisons de la fabrication sur mesure, les gens peuvent demander à nous de faire pour une marmite 40 ou 45. Nous adaptons bien sûr le fourneau en fonction de la marmite que le client en a. Et après, dans les options, on va venir des réductions pour mettre des marmites plus petites. D'accord, ok. Pour pouvoir utiliser toute la panelle de marmites qu'on a de cuisine. Ok, alors, François qui est derrière la caméra, là, François, vous connaissez, cette semaine, m'a parti faire un petit tour chez Dieudonné. Là, dans son atelier, où ça, il fabrique ça là-bas directement. Et Dieudonné, on va dire moi que avant d'arriver à ce stade-là, on ne passe pas plusieurs stades. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un produit fini comme ça, eh ben, elle n'était pas de tout repos. On a eu des couacs, on a eu des fois où il ne marche pas, jusqu'au moment où on la trouve ce qu'il fallait. Hein? Alors, exactement. C'est peut-être un secret de fabrication qu'on n'a pas besoin de dévoiler, mais en gros, c'est quoi il fallait trouver? C'est pas un secret de fabrication, comme nous l'est des autodidactes dans le métier, me dirait. Nous avons une idée, pour nous les simples, nous arrivons à l'atelier, nous soudons deux bouts d'inox ensemble et nous croyons que ça marche. Mais après, la réalité rattrape à nous. La puissance de la flamme et la chaleur qu'il donne à l'intérieur de la chambre de combustion, il a fallu à nous au moins 3-4 prototypes faciles pour nous avoir un produit final qui reste stable, qui réagit correctement à la chaleur. Là, si on peut toucher dessus, à l'intérieur, il bouille, mais dessus, il est frais. C'est vrai, il est froid, hein, dessus, donc, hein, il est froid. Tout ça, la famille à nous, plusieurs tests et plusieurs prototypes mis en œuvre dans les ateliers pour arriver à ce résultat-là, pour combattre l'effet de la chaleur. Mais l'inox est un produit malléable, l'inox est un produit qui se déforme facilement, surtout au contact de la chaleur, mais comment on l'a fait pour faire en sorte que le four en inox, il reste stable? Eh bien, là, je dirais parce que nous approche un petit peu le secret de la fabrication, oui. Mais sans être un secret, en fait, toutes les parois de tous les côtés, les doublés calorifugés. C'est-à-dire, d'accord. Dedans, il y a de la laine de roche. Donc, l'intérieur du foyer, il y a le minimum de points de liaison et de points de touche avec la carrosserie extérieure, ce qui donne à nous cet aspect... Froid à l'extérieur, voilà, et surtout pas dangereux pour l'utilisateur, les gens qui tournent autour. D'accord, alors ok. La porte aussi a été calculée pour faire en sorte qu'elle ne se déforme pas au niveau de la chaleur, parce qu'il faut croire à l'intérieur, il faut au moins 200-300 degrés à l'intérieur. Hein. Minimum. Minimum 200-300 degrés. Hein. Alors,
explique un petit peu, parce que là, là, nous, on a l'air froid qui arrive en bas, il alimente le feu produit de la chaleur, chauffe la marmite, l'air chaud, et toute cette dioxyde de carbone remonte ici et sort là-bas. D'un côté, c'est vraiment écologique, parce que, vous l'avez dit, à l'art, ironiquement, hein, que bonne madame n'a cheveux cafouine, un petit peu frisé, nous, un point l'odeur de la fumée dans le cheveu, hein, mais nous, ça même au-delà de ça, puisque quand on connaît que la fumée du bois, elle est quand même assez toxique, hein, et c'est vrai que nos anciens là, ils restent devant un fumée de bois, un feu de bois pendant des années, mais après ils payent les conséquences en fin de vie. Hein. Là, ici, avec ça, elle est complètement. Tout ça est fini là, alors ? Ça, elle est fini. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Là, je vais donner un exemple concret. Maintenant, ma maman qui a été hospitalisée, et le docteur a dit elle, madame, il faut arrêter de fumer. C'est pas de la cigarette, c'est 40 ans cuisine feu de bois. Exactement. Donc, on va mettre un des prototypes que m'a fabriqué chez ma maman. Elle était complètement ravie parce qu'elle y gagne retour sa cuisine feu de bois, tous les avantages du feu de bois sans les inconvénients, c'est-à-dire sans respirer cette fumée de bois là qu'elle entend tirer la petite feu qu'on veut. Ouais, ouais. Et bien François, on a l'impression de croire que nous sommes dans une émission de téléachat, elle n'est pas vrai, chez Canal Austral, là, pour une émission de téléachat, hein, n'a que des découvertes. Hein, et ça, il fait partie de, d'une découverte hein, que nous avons eue, puisque nous fait la cuisine et était tellement formidable d'avoir aujourd'hui avec nous une découverte, surtout quand elle fait par un réunionnais, un créole bien chez nous. Comme ça. Alors bien entendu, la question fatidique, la question que tout le monde y pose, tous les téléspectateurs qui regardent à nous là-bas, de donner combien coûte cette machine-là, ce four-là ? Alors, je dirais, dans un premier temps, cette machine-là ne s'achète pas, on investit dans une machine comme ça, parce que ça est 100% inox, je me dis un beau comme vous, Jean-Claude, vous donne ça aux petits-enfants, aux tariers, aux petits-enfants. Mais bien évidemment, pour que le produit puisse vendre, il faut un prix. Ouais, ouais. Donc, le prix de lancement de cette machine avec la marmite fournie avec et ce morceau de cheminée, il est au prix de lancement à 1 300 €. 1 300 €? Ouais. Ouais. Et 1 300 € passe ça de génération en génération? Oui. Eh bien, dis donc. Et si la famille est grande, nous augmente un petit peu, comme ça, il dure plus longtemps. Parce que ça, c'est un prototype pour une marmite à 38 cm, une marmite de diamètre, mais on peut faire aussi des marmites plus petites ou des marmites plus grandes aussi. Plus petites ou plus grandes. Et bien évidemment, comme il dit et il répète à moi sans doute, comme nous les sur du fur et mesure, les gens peuvent rajouter des options, une planche de découpe ici, un dépose marmite là-bas. Il peut faire un plan avec deux marmites de diamètre différents. On ne voulait vraiment pas limiter dans la conception de ce type de produit et nous adapte à nous surtout à ce que le client demande à nous faire. D'accord. Alors, m'y pose peut-être une question un peu bizarre, mais il faut poser cette question-là. Aujourd'hui, nous arrivons dans un système où beaucoup de maisons les collent les unes aux autres. J'appelle ça des maisons de ville. Hein. Donc, du coup, dans une maison de ville, quand on lit un feu de bois, eh ben, la fumée ennuie les gens à côté, ils n'aiment pas ça. Est-ce que ça, c'est pas un peu l'alternative pour pouvoir installer ça au fond du jardin? Pourquoi pas sur les balcons? Mais là, peut-être d'un immeuble. Mais là, peut-être, il faut voir avec la copropriété, il ne sera peut-être pas content. Mais sinon, au fond d'un jardin, d'une petite cour, parce que nous avons maintenant des terrains qui font 300 mètres carrés, 250 mètres carrés, on ne peut pas faire un feu de bois sans déranger les autres. Là, on ne dérange pas personne, ou là, non ? Nous dérange pas personne, à condition de respecter les hauteurs de cheminée. Voilà, il faut monter un peu. Parce que la cheminée, il dépasse la toiture du voisin et qu'on n'a point de désagrément. Quoique, il n'est pas désagréable d'avoir une petite odeur de fumée de bois de temps en temps. Voilà. Mais le moins de dérangements possible, les mieux. D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons cuisiner dans un petit instant, François, hein, parce que nous avons avec nous un maître de la cuisine chinoise, hein, Nounours, que Zodi connaît ici. Mais avant de donner, évidemment, comme ça, il fait ses essais. Il fait cuire manger de là avant lit, parce qu'il ne peut pas venir ici et amener une machine disant que derrière la machine va, il ne marchera pas. Non, il fait les essais. Dis-moi. Quel carré il a fait dans la pour la première fois? Il a fait un rougail saucisse. Un rougail saucisse. Vous l'avez d'attention sur très haut. Bon, l'inconvénient, c'est qu'avant, sur un feu, quand tu filmes toutes les épices dedans, tu peux aller fumer une petite cigarette tranquille, mais avec ça, on ne gagne pas. Il faut vraiment rester devant parce que sinon, tout y passe gambrilé. Ah, ouais. Et vous l'avez dit à moi comme ça, qu'on économise du bois, 50% en gros, hein, mais on cuit aussi beaucoup plus rapidement. On cuit beaucoup plus rapidement parce que, contrairement à un feu de bois où il a seulement le cul de la marmite et sous la flamme, là son cul est sous la flamme mais il est dans une enceinte à la même température que la flamme qui saute là-bas. Donc le tour de la marmite aussi il est, je dirais, chauffé par la flamme et cette enceinte chaude. Ça fait qu'on a une marmite qui cuit et qui rossit plus vite les épices. D'accord, ok. Alors. Et après, en fonction de la qualité de cuisson qu'on veut, on joue avec la quantité de bois qu'on a dessous.
pour maîtriser la flamme. D'accord. Si nous éloignons un petit peu, est-ce qu'avec cette version-là, on pourrait aussi imaginer une version où il est en four traditionnel pour gâteau créole? Nous peut. Si m'y adjoint moi les compétences d'un pâtissier qui veut l'ensalier à son tour dans l'aventure, nous peut absolument transformer ça en four à pâtisserie à bois. En four à pizza aussi. Ouais. Mais l'idée première, c'est cuisiner créole la case avec un mahamite. Exactement. En fonte d'aluminium. Il n'est pas écrit île de la Réunion dessus, hein. Mais bon, le cœur, on dirait, il est là. Hein. Voilà. Hein. En tout cas, merci bien, Dieudonné. Hein, nous retrouvons un petit instant avec Nounours pour la cuisine dessus. Donc, comme c'est une fabrique, ok, 1300 euros. Bah, parce que l'inox, c'est quand même un produit cher. Hein, c'est pour ça qu'il m'a fait un prix de lancement pour connaître un petit peu le produit. Et après, les autres vont payer au moins le double. Une fois que ça finit, Nathalie, c'est le marché. Non, mais plaisante. Donc, les messieurs-là, ils viennent commander à deux machines, c'est ça? Exactement. On en a une à commander à 1350 et l'autre à 2500. En fin de compte, là, si on veut ce produit-là, ben, ce soir, on va mettre à lier aux enchères. 2500, là. Mais crois-moi, papa, on a un petit peu de pétrole. La nouvelle génération des cuisiniers feu de bois.